commence à travailler le man job qui pas encore inventé. Tout le monde dit qu'il pas encore connaît qui travaille les bouffées de 10 ans. Alors c'est ça le Mauritius Research Innovation Council, c'est comment ce travail là, ça man job qui pour créer de 10 ans qui man mauricien pour capable de travailler. Mais quand même on capable de une nouvelle qui il y en a beaucoup de man entreprises étrangères américaines qui peuvent venir implanter à Maurice et que le secteur de IT est en plein développement et nous peut lancer un appel à tout man mauricien, surtout des jeunes à suivre des cours d'IT. Il y a un très grand prospect dans ce secteur là et il y en a beaucoup de demandes d'emploi. Et il est important qu'ils suivent dans cette direction-là et que le secteur de l'emploi pour vraiment ramasser tout ça. Et surtout, nous pouvons faire ce matching-là aussi. Il y a un mismatch skill qui nous capable et faire ce temps de giron qui sont capables de trouver un bon emploi dans le secteur. Un petit mot à ICT Statistics 2016, qui vous avez dit que vous pouvez Maurice bien faire, qui reste à faire? Non, Maurice, nous venons d'aller au niveau de l'Afrique et même au niveau mondial, nous donne une très bonne position. Mais quand même, nous reste beaucoup d'affaires. Et surtout, nous avons envie de développer nous comme ça, capitale de l'Afrique au niveau de l'IT. Il est important qu'il nous contient à améliorer nous-mêmes et en même temps, épaule nos frères et sœurs de l'Afrique pour pouvoir développer ce secteur. Parce qu'il n'y a pas oublié aujourd'hui quand nous avons en termes de IT penetration in Africa, est très peu comparé avec une puissance mondiale. Il est important l'Afrique qui nous tout gagne sa pénétration Internet et sa pénétration de e-services au niveau de l'Afrique. Quand demain, dans un forum international, nous n'avons un mot comme un seul continent, que nous prenons un poids, que nous permettons nous manquer point de vue. Quelle réaction face à la croissance fine baissée? Non, la croissance fine baissée, comme moi tiens d'y aller, et c'est qu'il y en a moins et moins de jeunes intéressés dans le secteur. Et il y a vraiment une offre d'emploi extraordinaire, mais les jeunes ne peuvent pas répondre. Et là, nous avons cette année-ci, la croissance sera extraordinaire parce que nous avons 5 nouvelles entreprises qui peuvent venir implanter à Maurice. Et là, nous avons même de un chiffre, une compagnie qui finit d'implanter à Maurice. Là, tout de suite, ils peuvent recruter 2000 personnes et jusqu'à décembre, ils peuvent être 2000 personnes. Alors, les jeux sont jetés pour qui et les Mauriciens gagnent travail et aussi ça pour permettre notre GDP d'augmenter et surtout le secteur, même au niveau économique, nous trouver un net progrès.